Salut à tous et à tous, Pascal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars. On se retrouve pour le 10e épisode de Road to League. Au bout de 10 épisodes, on est déjà 88 de général et 120 de collectif. Voilà notre équipe. On a acheté du coup le dernier épisode, Marquinhos. Et là, on veut un milieu centraux. Il va nous falloir ce milieu centraux qui nous débloque un peu parce qu'on a Cesc Fabregas et après on aura plein de liens pardon en plus. Et du coup là les gars, on a 45 340 crédits en plus grâce au dernier épisode, plus les 13 000 crédits par but du coup, parce qu'on est monté pro 3. Et du coup, ça va être à peu près tout. Et on va commencer directement le match. On nous prend toujours 2000 crédits par but pris. Voilà. C'est la moindre des choses. On nous prend quand même 2000 crédits par but pris. Et du coup, on est au 10e déjà épisode. Ça passe déjà très très vite. Si vous n'avez pas vu ceux d'avant, je vous conseille d'aller voir les premiers pour voir comment on est monté. En tout cas, voilà les gars, on est au 10e épisode. On joue contre un 86 de gêne. Ça y est, on commence à jouer contre des joueurs plutôt forts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même déjà 13 000 crédits par but. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, on espère marquer le premier. Ok, on commence bien. Allez, il me dit bonne chance, j'en ai rien à faire. Allez, Cornet, tape de la tête. Allez, on perd tellement de temps avec ça là. Allez, centre, Benítez. Ok Cornet, ça fait 1-0 pour moi. Allez. Allez, oh non. Il a marqué quand même. Hein. Il marque. Oh, il nous gagne. 2-2. Allez, 2-2. Les gars, on a interdit de perdre. On a interdit de perdre. 3-2. On doit marquer au moins 8 ou 9 buts. Là, ce serait bien. 4-2. Allez, 5-2. C'est bien. Là, on enchaîne les buts. 5-3. Non, ça m'énerve les corners là. Là, on va pas gagner beaucoup de crédit. Ok, 6-3. Ok, 7-3. On est bien là. On est bien. Centre. Oui, ça y est. Ça y est. J'y arrive plus. Je crois qu'on n'a pas le choix de frapper. Oh non, corner de mes. Non, ça, sérieusement. 7-4. Oh là, il est en train de tout nous niquer. Il est en train de tout nous niquer, là. Oh là là. Allez, c'est parti. 7-5, donc 7 fois 13 000 crédits. Moins 5 fois. Non, 5 fois 2000. Ce qui nous fait que 81 000 crédits. Ah là là, c'est pas beaucoup. Hein. 81 000 crédits, c'est pas énorme. Je vous cache pas que c'est pas énorme, mais on gagne quand même 80 000 crédits, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, et du coup on va récupérer ça. Et on va enchaîner directement sur le deuxième match. Au moins on a une victoire, et ça c'est pas mal. À partir du prochain épisode, sûrement on aura une nouvelle règle qui sera le bonus de victoire. Bonus de victoire sera un bonus de 5 000 par victoire, ou de 10 000 par victoire. Allez, de 10 000 crédits, ou non. On peut faire de 20 000 crédits par victoire, ça peut être pas mal. On joue contre un 80 de général en tout cas, et on espère marquer le plus de buts possible. Oui, je pense que ça va être 20 000 crédits par victoire, parce que ça va devenir un peu compliqué. Enfin, je sais pas si on le fera directement à partir du prochain épisode. En tout cas, on le fera bientôt. Ok, 1-0 pour nous. Ok, 2-0 pour nous. 3-0 pour nous. Non, 3-1. Il a marqué. Ok. Avec Martin Braithwaite. Allez, donne-la au centre pour Benítez. Allez, 4-1. Ok. On est pas mal. Ok. 5. Quoi? Allez, 6-1. Non, 5-1, pardon, du coup. Ok, 6-1. On est bien. On est bien au niveau des buts. Ok, oui, je voulais pas que tu contrôles, mais c'est pas grave. 7-1 au centre pour Benítez.
8-1. On est vraiment bien au niveau des buts. Hein. On est vraiment bien. 9-1. Il marque pas beaucoup. C'est la bonne nouvelle, ça. Ok, 10-1. 10-1. Allez, au centre. 11-1. On peut encore en marquer bien 2. Ok, 11-2. Allez, belle frappe, ça. Oh non. 11-3, d'accord. Allez. Le bleu, ok. 12-3. Ce sera peut-être notre dernière action. Allez, frappe cornée. Ok. Bon, 12-3, les gars. Donc, 12 fois 13 000 moins 3 fois 2 000. Ce qui nous fait 150 000 crédits en plus. 150 000 crédits pour ce deuxième match. C'est pas mal. C'est même très, très bien. Ça ne nous arrive pas souvent, on va dire, de choper 150 000 crédits. Je sais pas si c'est pas le plus de crédits qu'on a fait en un match. Je sais pas. Sûrement d'ailleurs. Et du coup, les gars, on passe directement au troisième et dernier match de cette vidéo déjà. Et on espère. Ok, 75 de général. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On devrait pouvoir gagner de beaucoup. On a 60% de super. Et il est vraiment. Ok, il est important ce match de gagner le plus de crédit possible. Ok, allez. Centre directement. Et Ben Yedder. Ok, 1-0. 1-0 directement. Allez, on va lui donner. Ce sera plus simple. 2-0. Allez. Allez, c'est parti. Ok, 2-1. 3-1. 3-1. 4-1. Allez, 4-1. Là, nous, on ne chôme pas. On veut un maximum de buts. Oh non, il va le louper. Ok, 5-1. Bien joué. 5-1. Allez, centre. Allez, cornet. Allez, 6-1. Voilà. Cornet, 6-1. Il met un sixième but. 6-2. Il met un deuxième but. Et nous, 7-2. Ok. En haut, Nguet. 7-2, 8-2. Ok, on est très très bien au niveau des buts. 9-2, 9-3, il a marqué. Ok, 9-3. Cornet, ça fait 10-3. Ok, 10-3 à partir de. Il reste 31 secondes, c'est pas mal. Hein. Oh poteau, c'est quoi ce shot? 10-3, allez, 11-3. Là, c'est bien. 11-3, allez, 12-3. Je dis toujours, allez, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. 13-3. Je pense qu'on peut en marquer 2 encore. 14. Ok. Ça va être le dernier. 14-4 et 15-4. 15 buts en un match. Ça ne nous arrive pas souvent, les gars. Il va peut-être en marquer un dernier, je sais pas. Ok. 15-4. Donc 15 fois 13 000. Ok. Moins 4 fois 2 000. Ce qui nous fait 187 000 dans les caisses. 187 000. Ce qui nous fait un total de 418 000 crédits plus 45 340. Donc 418 000. 418 000. Alors on va passer. Je passe 2 secondes. Plus 45 340. 340. Ce qui nous fait un total de 463 000 crédits. On va récupérer ça. Je vais récupérer les quêtes. Ou je les récupère après. Bon, allez, on va les prendre. De toute façon, il n'y en a que 3. Donc voilà, les gars, on a du coup 463 000 crédits pour cet épisode. Enfin, oui, pour cet épisode, voilà. Et on va casser la banque. Je vous le dis. On a vendu à Damatra. Ok. On a 463 000 crédits pour acheter un milieu central. Un milieu central de Ligue 1. 463 000 crédits. 463 340 crédits. Est-ce qu'on va avoir des bons MC? Non, alors. 82, on aura TJ Savanier. Mais bon, là déjà. Et au niveau du 83, on n'a rien du tout. D'accord. Soit on prend un MC. Soit on va chercher un gardien qu'il nous faut. Et je pense que là, on va arriver au niveau des gardiens. Et il va nous falloir un très bon gardien. Et au niveau des gardiens, pour ce prix-là, on peut peut-être choper à 85 de général. 86, je suppose que non. Ouais, allez, 85 de général.
pour le petit qu'il en avance. En plus, il va nous, oui, il va nous rester vraiment beaucoup de crédits après qu'on aura pour le prochain épisode. Il va nous rester presque 100 000 crédits. Est-ce qu'à 400 000 crédits, on le trouve à 344 000. 340 000 ici. Et bah c'est parti, il va nous rester plus de 100 000 crédits pour le prochain épisode. Et bah 340 000 crédits. Et on aura un très bon milieu central pour le prochain épisode. Alors du coup, ça nous fait moins 340 890 qu'il nous fait. Il nous reste 122 450 crédits. 122 450 crédits pour le prochain épisode. Ce qui va être juste incroyable du coup. On va pouvoir le mettre dans notre équipe. Le petit Keylor Navas 85. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Les gars, on passe. On est vraiment pas mal. On est vraiment bien là. On a la prime technique qu'on va pouvoir améliorer, je pense, 6 fois. Par contre, du coup, on va passer en dessous des 1 million de crédits. Mais c'est pour ça que je farmerai avec vous en live bientôt pour gagner le maximum de crédits possible sur ce compte. Et du coup, voilà, on est vraiment pas mal, les gars. On est vraiment pas mal. On passe à plus 5. Et on passe peut-être 89. 89, les gars. C'est juste incroyable. On est monté à 89 en 10 épisodes. Voilà. Juste ça, il ne manque plus qu'un joueur. À moins de 80 en général, c'est Cesc Fabregas. Et ce sera pour le prochain épisode, je suppose, les gars. Parce que là, je crois qu'on n'a plus d'argent. Enfin, on n'a pas assez d'argent pour choper un milieu central. Du coup, les gars, voilà, je vous laisse sur l'équipe. Du coup, les gars.